Salut les amis, c'est Brian Channel et aujourd'hui, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, j'ai acheté un micro en bas de 100$ sur Amazon. Puis j'ai regardé des reviews sur Amazon, sur YouTube, qu'est-ce que ça donnait, parce que en fait, moi qui joue à des jeux multijoueurs en stream au GTA RP ou Red M bientôt. Moi je m'achetais un micro cravate tout simplement que je branchais dans mon gaming PC qui marchait super bien pendant un mois de temps, puis après un mois ben ça grichait puis il était brisé tout simplement pour aucune raison. Fait que j'ai arrêté d'acheter ces poubelles là parce que ça me coûtait genre 30$ un micro cravate à quasiment aux deux mois. Je me suis acheté un micro USB comme mon AT2020 comme que je vous parle en ce moment. Puis ben aujourd'hui ça va être on va tester la qualité de son du micro. Sérieusement c'était vraiment nice. Pour en bas de 100$ dans le packaging il y avait tout, il y avait le stand, il y avait le trépied, il y avait le mount shock, il y avait le pop filter, puis il y avait la capote que tu mets sur le micro. Putain, pour moins de 100$. C'est vraiment fucking nice. Regardez ça, là. Regardez ça. Il y a tout qui vient avec. Je suis pas sponsor ou rien. J'ai acheté ça de mes poches. Mais il y a tout qui vient avec. C'est vraiment nice. Il était juste 69$ ou il était même pas spécial. Honnêtement, je trouve que c'est fucking nice d'avoir des objets pas chers comme ça. Mais il reste à voir la longévité de vie. Qu'est-ce que ça va donner à ce micro? Fait que là, tout simplement, je le mets là. Puis on va voir ce que ça va donner. On est à peu près à la même distance que mon AT2020 aussi. Fait que, on va essayer ça. On va aller ouvrir. On va aller ouvrir le logiciel Audacity sur mon gaming PC. Puis on. Ben, vu qu'il est branché sur mon gaming PC. Fait qu'on va écouter le son. Fait que, on va essayer ça ensemble. Fait que, real take, microphone, il n'y a aucun filtre, rien. Fait qu'on va essayer ça. Fait que je vais parler, je vais couper mon son tout simplement. Je vais faire un petit pause. Ouais, c'est vrai, si je fais pause, ça va faire un truc bizarre. Ben je vois juste. Je dis j'ai rien à dire parce que je l'ai déjà testé, mais le son est vraiment pas si pire. Je vais vous faire écouter ça, je sais que vous m'attendez pas sur la webcam. Vous allez m'entendre dans quelques secondes. Ben, reprise du son sur mon AT2020. Je venais juste d'enregistrer un petit extrait de voix. Rien à dire. Oh. Fuck, je vous ai spoil un peu. Rien à dire. Gueule! Connard. Rien. Bon, ok. Fait que. Je vais me taire. Puis vous allez entendre. Tout simplement, je vais monter le son un peu. Bon, ok, je suis déjà au fond. Bon, c'est parti. Rien à dire. Je dis j'ai rien à dire parce que je l'ai déjà testé, mais le son est vraiment pas si pire. Je vais vous faire écouter ça, je sais que vous m'attendez pas sur la webcam. Vous allez m'entendre dans quelques secondes. Yeah, vous avez entendu ça? C'était vraiment bon. Honnêtement, il n'y a aucun filtre. Je trouve que pour le prix, ça vaut... Ça sonne quasiment mieux. Mettons, si je m'approche, là. C'est sûr qu'avec mon AT2020, si je m'approche, ça va mieux sortir. Comme là, mettons que je m'approche, puis que... Parce que, tu sais, je suis quand même un peu loin. Je suis genre à peu près à presque un mètre de mon... Ben, pas un mètre, mais au moins un bon 60 cm. Fait que je vais approcher Attends, je vais essayer de pas... mettons que je vous parle de même, OK. Bon, ben, les amis, là, je vous parle à environ 15 cm de mon AT2020. C'est sûr que le son est un peu meilleur. Parce que vu que je suis plus proche, fait que je peux moins parler fort, il y a moins de bruit ambiant. Ça reste à voir. Mais en tout cas, on va essayer avec l'autre micro. Fait qu'on va remettre ça comme c'était, tout simplement. Voilà. Fait que. On va refaire un autre enregistrement. On va faire
un nouveau fichier, nouveau. Fait que je vais me taire. Je vais aller couper le son. Bon, ben, les amis, là, je vous parle environ à la même distance que mon atterrissage que j'étais tantôt. C'est sûr que la qualité de voix va être un peu meilleure. Honnêtement, pour 80 ou 70$, bref, je me rappelle plus, la qualité de voix est vraiment nice. Parce que regardez ça. Il prend quand même bien les chocs des. Bon, fait que. On va essayer ça. On va aller écouter ça. Bon, ben, les amis, là, je vous parle environ à la même distance que mon AT20 que j'étais tantôt. C'est sûr que la qualité de voix va être un peu meilleure. Honnêtement, pour 80. The fuck? Ou 70$, bref, je me rappelle plus. La qualité de voix est vraiment nice. Parce que regardez ça. Il prend quand même bien les chocs des puis mettons si je fais pop 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 sur mon micro à genre 15 cm, ça donne ça. Voyons qu'on lisse. Fait que bref les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Si oui, mettez un like. Dites-moi dans un sondage, je sais même pas si YouTube les a enlevés. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, oui, mettez un like si vous l'avez aimé. Mais lequel préférez-vous entre le audio AT2020 Technica ou bien le micro AT2020 ou bien le micro de Amazon à 80$? Dites-moi ça dans les sondages. Honnêtement, je trouve les deux assez semblables, mais vu que le T2020, ben ça fait longtemps que je l'ai, puis tout, il a peut-être perdu un peu de qualité, etc. Mais bon, je suis pas prêt de changer tout de suite, il va super bien encore. Je trouve qu'il y a une belle qualité de voix encore. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Fait que bref. Fait que, viens rejoindre Instagram, Twitter, Twitch et Discord, ça me fait extrêmement plaisir. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.